Je t'ai bien eu, mon petit pote. Fais gaffe, les Nosferapti sont des vampires. C'est rassurant. De quoi? J'attends mes potes ici. Dans la montagne? La montagne, ça vous gagne. Et bien sûr, comme c'est une fille, elle a un Pokémon rose. Lol. Un vampire? Un vampire? Hein? J'ai la ref. C'est vieux, ça. C'est Nullbuck. Oh non! Ça va être relou. Ça va pas être relou longtemps. Il va me défoncer, mais bon. D'accord. RIP. RIP Piafabec. J'ai très envie de débloquer l'attaque... Oh non! L'attaque combat de mon Nidoran. Le double pied. D'ailleurs, c'est quand? J'essaie de le retrouver dans le Pokédex. Il a appelé sa belette et sa blaireau. D'ailleurs, Nidoran femelle au passage, localisation. Rouge et bleu, route 5, route 22, parc safari. Donc il y avait bien des Nidoran femelles au début. On pourrait retourner en choper un. Hein. C'est la route 22 au début. Je sais pas où c'est la route 5. On va regarder la carte. Double pied, c'est niveau 30. Ah, ah bon? Allô Aka! Comment ça va? Je vais y aller pendant un moment, je repasserai souvent plus tard. GL pour la suite de l'aventure. Merci Emre et merci d'être passé, ça fait plaisir. A plus tard. Ça joue aux monstres de poche? Bah ouais, hein. Les bons vieux monstres de poche. Je suis en train de me faire péter la gueule par un Mélophée, mais tranquille. TRKL en fait. Semaine bien chargée, mais cool. Qu'est-ce que t'as fait de beau, Aka? Ah, la berceuse n'a aucun effet sur Rookool. Je savais pas ça. Écoute, moi je suis ready pour passer ma journée entière sur ce jeu. Pour le moment, je prends un grand plaisir. Même si ce Mélophée est en train de réduire mon équipe à néant. Ok. Eh ben écoute, peut-être qu'avec un peu de chance, mon Pikachu niveau 7 va conclure ce Mélophée niveau 14. Ce serait incroyable. C'est nickel. C'est parfait. Et boum, le niveau 8. On va vite aller au centre Pokémon. La sister en visite à Lyon pour la semaine, donc balade, bonne bouffe et magasin. Trop bien. Trop chouette. J'imagine que tu prépares la descente à Montpellier le week-end prochain.
Spoiler. Je vais être obligé de voir Akalis dans la vraie vie, ça fait chier. Lol. Allez, on avance. Évidemment ! Il crie. Le mec crie. Ta-da-da-da-da-da. Je fouille, hein, je visite. J'ai toujours rien préparé. Mais c'est pas comme si t'avais des milliards de choses à préparer, Aka. Franchement, ça va, tranquille. Voilà, ça commence à devenir efficace. Il est bon, mon Pika, il est bon. Oh, tu me cherches ? Quoi ? Oh, il est flippant, lui. Un télo. Magnéti. Magnéti. Ah, j'ai rien de ouf contre un Magnéti, hein. Ils sont tous sensibles aux Pokémon électriques dans mon équipe, quasiment. Y a pas de caillou, c'est la S. Ouais, j'avoue. Pikachu niveau 9. Cool. C'est sûr, mais bon quand même. Du coup, vous venez à combien à Montpellier? Je me souviens plus. Combien êtes-vous? Un télo va appeler Voltorb. Je peux changer de Pokémon. Je peux mettre Rattata. On peut tenter le coup avec Rattata. Ouah, il est très très jaune, Voltorb. Et hop, on revient sur Nidoran. Ça fait déjà 3 heures qu'on est là, je vois Twitch qui me dit « Attention, va y avoir une pub bientôt !» Et c'est déjà la troisième. Et vu qu'il y en a une toutes les heures... Ah oui, il est bientôt 10h30, hein. Putain. J'avance pas très vite, en fait. Mais parce que je cherche à capturer les Pokémon, aussi. J'aurais pu tracer en juste pexant mon carapuce à balle. Mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas une mauvaise idée de prendre de l'avance sur la capture des Pokémon. Un pressentiment comme ça. En mode speedrun no jutsu, ouais, ça aurait pu. Hein. En vrai, si je voulais vraiment speedrun, je prends Bulbizarre et je tryhard que avec Bulbizarre jusqu'à Carmin-sur-Mer au moins. Une potion. Un super bonbon. Ça, c'est cool aussi. Une corde sortie. Boule bizarre, ouais. Boule. Bonjour. Je traverse ces grottes pour aller à Azuria. C'est gentil de me raconter ta vie. Chenipang. On va tenter le coup. Ta-da-da-da. Ta-di-da-di-da-di-da-doo.
niveau 10. Je change pas de Pokémon. On est là pour booster le Pikachu. S'il pouvait être niveau 15 avant l'arène, ce serait parfait. Oh, hier le chat perdu est revenu chez moi. Oh non, Bébou! Du coup, on l'a amené au veto, il était pas pucé. J'ai dû le relâcher par chez moi, mais s'il repasse, ce sera dépôt à la SPA. Oh non! Mais pourquoi t'as dû le relâcher? Pauvre petit chaton. Pauvre bébé. Putain, il me fait des coups critiques, le bâtard. T'es qu'un vieux scout. Ok. Je suis là pour pexer Pikachu. Pas pour déconner. Parce qu'avec Tetra, je pouvais pas le garder. Et la SPA était fermée, sinon évidemment je l'aurais emmené direct. Oh oui, c'est vrai qu'il y a Tetra. Tetra le petit chat. Oula, c'est plus Blazer que je le croyais ici. Ça, c'est ce que je disais quand j'étais petit. Pauvre petit chaton. Oh, le Mystherbe. Mignon. Mais je suis pas très fort avec mon Pikachu. On va y aller à grands coups de piaf à bec. D'ailleurs, j'y pense, mais mon Roucoule, il a toujours pas d'attaque vol. C'est quand même terrible. Pour un Pokémon vol. Pikachu niveau 11. Quel bonheur. Shediflore. Non, je ne change pas de Pokémon. C'est le moment de faire passer Piaf avec au niveau 10. Il est flippant, Shediflore, par contre. Il met pas bien. Son regard ne met pas bien. Parfait. Nickel. Ah, ici il y a une échelle, mais il y avait une autre échelle tout à l'heure. J'ai envie de tout explorer. Bah oui, je suis venu pour explorer, exactement. Ok. Là, je pense que Pikachu peut s'en sortir. Le Shediflore du mal, mais oui, de ouf. Le Shediflore du mal. Bien joué, Pika. On va pas changer de Pokémon. On va tenter le coup d'un deuxième, au moins. Ah! Merde, c'est chiant, ça. Je table sur le fait qu'il fasse pas vive attaque. Oh oui, c'était osé. Oui, c'est la mèche quand on a besoin de lui, mais je te le demande.
Bon, il va appeler Nosferapti. Je change pas, je tente. J'essaye. Allez, champion! Merde! Ultrason! Oh, je suis confus. C'est encore possible. Allez, on croise les doigts. Il devient dingue. Sa folie lui inflige des dégâts. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais essayé. Ben, on va y aller avec le Rattata. Je vais pas rester masse longtemps. J'ai plein de trucs à faire. Pour le moment, c'est petit déj chill. Et ben, profites-en bien, hein, car... t'auras large le temps de revenir. Le live va être long. Nous n'en sommes qu'à 3 heures de live. Rip Pikachu, ouais. Pika-rip. Perdre, c'est mal. Tiens, d'ailleurs, je vais réorganiser mes Pokémon pour qu'ils soient du plus faible au plus fort. Voilà. Putain, mais des échelles, il y en a 1000 en fait. Je vais aller prendre la première. Parce que je pense que ici, il faudra y aller, il y a un mec. Une heure plus tard, Arnaud. J'ai speedrun, oupsi. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas parce que je capture des Pokémon alors que j'en ai pas forcément besoin. Au cas où. Franchement, on est sur du au cas où. J'ai pas envie de me faire surprendre par, une personne sauvage qui arrive et qui dit « Tiens, prends 40 subs, t'es obligé de choper 60 Pokémon ou 50 Pokémon. » Ah non, c'est les follow. 50 Pokémon, c'est les follow. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une dingue. Je le savais, il ne cache pas l'éventualité d'un potentiel speedrun hypothétique. Si, si, si. J'ai pas envie de speedrun. Je ne sais pas speedrun Pokémon. C'était un. C'est la Team Rocket! Ça bosse dur ici. Alors, du balai, le mouflet. Le mouflet! C'est quand la dernière fois que vous avez entendu dire mouflet, vous? Le mouflet. Du balai, le mouflet. Oignon, c'est la Team Rocket! C'est la Team Rocket! J'ai la ref. Alors peut-être. À mon avis, il va y passer ce pauvre Rattata là. Di-di-di-di. Allez, champion! Effectivement, j'ai l'impression que Vivatak est plus fort. Oh oui! Ça passe! Oignon, c'est la Team Rocket qui vient nous raconter des salades. Oh là là! Waouh! Elle est belle celle-là, car. Rattata devient dingo! Hein. Oh yok! On va changer de Pokémon. Pour le Abo. Abobo. On va essayer de faire passer notre carapuce au niveau 15. Aboubou. Abobo, Aboubou. Bien sûr, Aka.
C'était sûr que le Kigurumi allait tomber. C'est Messner cette fois. C'est rare. Désolé, la gorge est encore très prise. Ah oui, je peux plus attaquer en ligotage. Je reconnais Abo, c'est le jeu en ligne, le fameux Meuporg. Je sais pas si Abo c'était considéré comme un Meuporg. Ok, t'es pas mauvais. Merci. Une huile. De l'huile. J'ai toujours pas croisé de Mélophée au passage. Hein. Alors que je ne veux pas ressortir sans avoir chopé un Mélophée. Il va y passer notre pauvre Atata. De l'huile. Il me faut de l'huile et du feu. J'ai pas la ref. Cette fois. Je pense que c'est bientôt la fin pour notre pauvre Atata. Je vais vérifier. Si, si, c'est un réseau social MMO RPG. En même temps, RPG massivement multijoueur, ça aurait pu. C'est le côté RPG où j'étais pas sûr, tu vois. Les Noriel dans Reflet d'Acide. Putain, je me souviens pas de ce passage. J'ai pas beaucoup dormi. RIP. Fiapabec. Il faut y aller, il faut que tu montes niveau 20 rapidement, toi. Il faut qu'il évolue. On va y arriver. Je vais aller voir la première échelle. Boum! Ça, ça fait plaisir. Il est fort, Piafabek, en vrai. Les Nosferaptiques ont traumatisé toute une génération à cause du Mont Sélénite et de la grotte. Où t'en croisais tous les 2 mètres. A mon avis, c'est autant détesté que les Ratata et les Rondoudou. Les trucs ultra classiques du début de jeu que tu vois des milliards de fois. Chauve qui peut, un Nosferapti, mais bien sûr. Chauve qui peut. Question la plus sérieuse, un piaf à bec, ça implique pas un piaf à bouche et un piaf à branchie? Comment te dire? Je me suis fait bailler tout seul. Est-ce que je m'accorde une demi-heure de sieste dans la journée? Et oui, le Kigurumi Hiroaki, bien sûr. Qui a osé? C'est Messner. C'est Messner Café. Oh, la Team Rocket! La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. J'en ai fait bailler le streamer. Ah oui. Tu m'as bien eu, dis donc. Oulala.
Oh, il est mignon, Sablette, et je peux pas l'avoir dans cette version. Terrible. Satan, c'est nous. C'est un peu ça, ouais. Et j'ai la ref. Des monstres dans ta communauté, peut-être. Mais en même temps, si je leur laisse la possibilité de le faire, c'est normal qu'ils le fassent aussi. En être conscient, Hiroaki. Il est vraiment mignon, sa belette, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé Roukoul et pas Carapuce. Pour l'XP, j'imagine. Faudrait voir à pas tomber KO, quoi. Pas autant que Tetra. Oui, mais t'es conditionné, Aka. T'es plus objectif. Et ben, il est mort, c'est cool. Je suis un peu gaga, je crois aussi, ouais. Full gaga, gagalis. Ratata. Je vais garder Nidoran. Ah, peut-être pas. Ça sent le wipe, mais non. T'as pas confiance, Xarluk. Moi j'ai full confiance là. En vrai, full confiance. Hein. Tout va bien. TRKL en vrai. Oh le niveau 15. Oh le pistolet à eau. Ah, sauve-nous. Que je vais changer de Pokémon, j'en ai pas d'autres, frérot. Hop, et voilà. Oh non, le ultrason. Ça dégage. Chez. Merci. Ah non, j'ai perdu. Oui, tu as perdu. PV+. Eh ben écoutez, on va se servir de la délicieuse corde sortie. Salut. Je suis safe. Full safe. Téléportation, absolument. Ok. Faut toujours que je booste mon Pikachu, par contre. Hein. Pikachu, Nidoran et Carapuce. Qui sont, je pense, ceux qui vont rester dans mon équipe après. Par contre, les Mélophées, c'est un peu radin. Hein. Chez. J'ai fait 2 mètres. Oh, le paras! J'ai pas de paras. J'espère qu'un éclair, ça le one-shot pas. Faut que j'y aille, mais j'ai la flemme. Qu'est-ce que t'as à faire, Aka? Ok. Le paras qui danse la samba. Effectivement. Il est mignon, ce petit paras, là. Parti. Let's go.
Donc j'y pense, c'est confirmé, je suis pris. Là où j'ai candidaté, bravo Aka, félicitations! Incroyable! Les champignons sur son dos se nourrissent des nutriments de leur hôte insectoïde. C'est donc un cordyceps. C'est trop cool pour toi, Aka. C'est mérité. Boum. J'ai fait de maître. Heureusement qu'il faut que je le monte niveau 15. Du coup, douche, récupérer un courrier et finir de préparer le PC pour ma mère. Bon, tranquille, ça se fait en leur camp, ça. Oh, lol. On a bientôt fait 4 heures de live déjà. 4 heures de live et je suis pas à Azuria. Scandaleux. Combien? Bientôt 4 heures. C'est prévu, t'inquiète. Non mais je déconne. Je déconne, vous faites ce que vous voulez, pouvez. Par contre, si ta maman peut venir follow la chaîne, ça m'arrange. C'est pour les followers go, là, c'est tout. C'est un montagnard, regardez comme j'ai pas peur. Yaha, tu m'as fait peur. Quoi? Mais t'es qu'un mioche. Mais pardon. Ah, pas moi, ok, on blague pas sur ça, Arnaud. Putain, le lurk, c'est du sérieux. C'est vrai. C'est vrai que c'est très sérieux. C'est hyper sérieux. Le lurk, c'est une histoire de famille. Allez, ça dégage. Je veux mon carabaf. Vas-y, ah! Dis-leur bien! Boum! Tranquille. Ah! Ah, ah, ah! Il est là, il arrive, il tombe à pic, sentez-le, humez-le, le carabaf. Ah, évolue. Il était mignon, ciao, salut mon pote. Boum! Qu'il est badass! Super. Ça fait plaisir. Oh non! Wait! Une pierre lune! Il y a 4 Pokémon qui évoluent avec des pierres lunes. Je ne sais pas s'il y a 4 pierres lunes au total. Il en faut pour Rondoudou, Mélofée, Nidoran, enfin Nidorina, Nidorino. Je suis de cette team à pas évoluer mes Pokémon. Ah bon? Tu gardes Carapuce tout le long, toi? Il n'y aurait pas un cousin qui s'appelle Buzapoint? Buzapoint.
Alors Carabaf, je veux bien. Mais pourquoi Buse? Je comprends plus les jeux de mots d'Aka, ça y est. T'as pas des trucs à faire, Aka? Oh, le Ménophée! OMG! Il est là! Il est là, les amis! Ah, bus à point! Oh, wow! Oh, la vache! Oh, la vache! Oh, l'autre! Allez, pas de coup critique, pas de coup critique! Oh, c'était un coup critique! J'ai eu si chaud! À moi! On veut me cancel. Bah en même temps, je veux pas dire, mais... Ménophée s'est capturé, mesdames et messieurs. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Très recherché pour son aura mystique, il est très rare et ne vit que dans des endroits précis. C'est encore plus cool de l'avoir chopé, du coup. Oh oh. J'ai pris le bus, oh là là. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Ah bon? Ratatac. Oh, il fait flipper Ratatac. J'ai un petit coup de barre, tiens. Après 4 heures, là. Ménophée, Ménophée, Ménophée. Aïe, aïe, aïe. Un gros morceau, le Ratatac, là. T'es mal à taille du rat, ouais, de ouf. J'aimerais pas le croiser dans la rue, lui. Fait chaud à Montpellier, correct, ça va pour le moment. En même temps, il est encore tôt. Mais c'est ok, je dirais. Je suis épuisé. À te coucher, mon pote. Le racaillou. Ce rat attaque la source d'un traumatisme. Ah bon? Un traumatisme, pourquoi? Merci Aka pour le lurk, c'est gentil, des bisous. Courage pour ce que t'as à faire. C'est à cause de lui que je peux plus dormir sans couette. C'est vrai. J'ai l'anecdote. Avez-vous l'anecdote d'Hiroaki et de sa couette? Elle est drôle, et en même temps terrible. Rien de bizarre. Non, mais raconte, vas-y. Dis-nous tout. We have to know. En vrai, ça m'emmerde, les racaillous. Parce que Pikachu, il est pas bon contre les racaillous. Après, ça me permet de booster un peu mon Carabaf. Histoire d'avoir un backup intéressant pour les arènes. Par contre, il va se faire allumer à Carmin-sur-Mer. Niveau 17. Coucou loup-garou! Comment ça va? C'est pour PFABEC ça. Tranquille et toi? Bah écoute, ça va. Petit coup de barre là. Petit coup de barre. Mais on va aller se faire un café dans pas très longtemps, je pense.
Après Azuria, on se fera un café. En gros, j'étais tout petit, un soir d'été, en âge de jouer à Pokémon, mais pas plus. Et j'avais joué à Pokémon Rouge avant de me coucher, et avec la chaleur, je dormais sans ma couette car il faisait trop chaud. Oh là là. Allez Pikachu, on compte sur toi. Qu'est-ce que j'ai pas été dire? Ma gêne préférée, c'est la 5. Bah moi, c'est la 2. Ma génération préférée, c'est la 2. Allez, tu peux le faire, Pikachu. Donne tout. Merde. Ah, c'est encore possible. Ne deviens pas dingue. Non. Ok. Madame Pied. Putain, loup-garou, il a un top. 5, 4, 3, 2, 7, 8, 1, 9. Ah ouais, t'aimes vraiment pas la une. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'un ratatac me grignotait entièrement par les pieds. Mais le rêve était très réaliste et j'étais totalement conscient. Probablement car j'étais somnambule. Somnambule ou alors c'est une paralysie du sommeil aussi, ça peut. Hein. C'est horrible hein, quand même. Horrible. J'aime bien un, mais comme c'est la première et que je l'ai trop faite, ben voilà. Je comprends. Je peux comprendre. Allez, Piaf avec, donne tout. Oh non! Te laisse pas faire! Vas-y, champion! Tu n'es pas dingue! Bien! Zezubert! Je me rappelle non seulement du visuel, je vois encore le Pokémon me bouffer, et surtout je me souviens aussi de la douleur, mais j'arrivais pas à exprimer. Quel enfer, Iroaki! Oh, la pierre lune cachée! Quel bonheur! Ça fait 2 pierres lunes sur 4! Une fois arrivé à la tête, bah tout a disparu d'un coup. Putain, il est horrible ce cauchemar en vrai. Brrr. Surtout qu'un ratatac, c'est dégueulasse. Ben, c'est pas très beau, quoi. Reneko ! Ça va toujours ? Depuis sans couette, je dors pas. C'est compréhensible. C'est comme préhensible, eh. Imagine si c'était un ratatac d'Alola. Il ressemble à quoi, les ratatac d'Alola, déjà ? Plus gros et plus moche. Tu vois. Ratatac d'Alola. Ah ouais, ils sont pas beaux, hein. Pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Quand même un peu dégueu. Berk. Berk, berk, berk. C'est quoi les points en haut à droite de chaque fenêtre? C'est sur mon overlay. C'est Togido le graphiste qui a mis ça. J'aime bien.
Allô Erwan, ça va et toi? Ça va, il ferme la bouche quoi. Ouais mais il est pas beau. Ça a pas d'utilité non. C'est juste de la déco. Ces fossiles sont à moi, patouche. Oh d'ailleurs, on va faire un pôle. Quel fossile on choisit, mesdames et messieurs? Attendez, je fais une petite pause. Pôle. Quel fossile on prend? Point d'interrogation. Est-ce qu'on prend le nautile qui nous donne Ammonita? Ou est-ce qu'on prend le dôme qui nous donne Kabuto? Voilà. Vous avez 3 minutes, soit le temps du combat à peu près, pour choisir. C'est vous qui choisissez. Et éliminez le maillon faible. J'ai loupé 4 heures. Eh oui, Erwan! Mais c'est pas grave. Prise de Helix fossile. Tout à fait. Après, la nuit, quand j'étais petit, c'était quelque chose. Je voyais tout le temps des formes matérialisées avec des ombres dans la chambre. Je voyais ces ombres bouger, je me perdais dans ma chambre. Bref, les nuits petits, c'était un enfer. Putain, la vache. Pauvre Hiroaki. Bah, t'avais pas le choix, Erwan, t'avais pas le choix. Tout le monde est pour le Helix, hein, bien sûr, c'est sûr. La légende. Pauvre Kabuto. Kabuto qui évolue en Kabutops, hein, quand même, c'est stylé, hein. Allez, dégage, t'as de morve. D'ailleurs, mes sœurs refusaient catégoriquement de dormir avec moi à cause de ces événements-là plus somnambulisme. C'est pas gentil! Allez, Pierre Fabek, tiens le coup! Ça sent la merde pour Pierre Fabek. RIP! Les folles histoires d'Hiroaki, mais oui! Mais oui! Je le sens moyen ce combat en vérité là. Moi je le gardais en Kabuto, je le trouvais stylax. C'est vrai qu'il est cool. Je leur faisais peur, je comprends. En sortant du taf, je me suis pris des chocobons. C'est pas vegan mais mon moral en a besoin. Mais t'es en train de devenir vegan Erwan pour que tu le précises à chaque fois? J'aime bien les deux, mais Helix c'est pour la ref. Non, mais je suis d'accord. Il en est où le sondage? Bah oui, d'accord. Donc Ammonita est largement en tête. Vous avez encore quelques secondes pour voter si jamais, mais... C'est le dévin qui a parlé. Et ton dévin, il a choisi quoi, Neko? Genre ils se sont réveillés en sursaut suite à un grand boom parce que je me suis pété la gueule en sautant d'un lit mezzanine suite à une crise d'épilepsie. Putain. Ah, de somnambulisme. Putain, oui, c'est pas pareil. Putain, mais Hiroaki, quoi. Impair donc premier. Bah, ce sera le fossile Nautile. On va voir Ammonita. Il n'y a que des Pokémon dégueux, lui, par contre. Hein. Oh mon dieu, ça fait 4 heures de live, mesdames, messieurs. Promis, je fais plus ça, le streamer en est témoin. C'est vrai. C'est vrai que quand t'as dormi chez moi, t'es jamais venu dans ma chambre pour te jeter sur mon lit. Et vu que ça fait 4 heures de live, mesdames et messieurs, il est temps de monter un peu le setup. On va jouer un peu debout. Yeah. J'essaie de prendre soin de mon corps. Voilà. Je suis au max. Je peux pas le monter plus.
Amonita apprend des meilleurs moves que Kabuto. Ah oui, c'est vrai. Petit étirement, ok, c'est parti. Et merci Neko pour l'hydratation. J'ai arrêté la viande et tout en 2017, j'étais végétarien à ce moment-là, et en 2018, j'ai petit à petit arrêté tous les produits animaux. Ok. Sachant qu'il y a des produits animaux que je mangeais pas de base. Je savais pas, c'est juste que ça fait deux fois que tu parles de produits vegan, du coup je me posais la question. Ouais, d'accord que Attaque Trempette, c'est ton jeu. De quoi ? Comment ça, Neko ? Pas tout ça, mais je sais toujours pas quand je rentre demain. Oh là là, mais Hiroaki. Tu veux le fossile Nautile ? Oui ! Wouh ! Quel bonheur ! Je prends celui-ci. Eh ben, salut ! J'ai une ref Pokémon. Oui, c'est ça, c'est l'attaque Trempette, c'est l'attaque de Magikarp. Tout à fait. Est-ce qu'on va tenir jusqu'à la sortie de la grotte, là? Parce que j'ai plus beaucoup de Pokémon en vie. Hein. Surtout s'il devient dingue. Je commence à avoir chaud là-dedans. Oh non! J'ai fait un aller-retour! Même au niveau de la viande, il y a des trucs que je ne mangeais pas non plus. Je ne mangeais pas de poisson. Ok, bah c'est bien. C'est cool, tu es écolo, Erwan. En plus d'être vegan. Les deux vont avec. Let's go! J'ai l'air hyper difficile en bouffe. Bah non, t'es vegan. T'es juste vegan, en fait. C'est pas être difficile d'être vegan. Y'a pas des objets cachés, ici? Oui, tu connais pas Hiroaki, ouais. Hiroaki, il est pas vegan du tout, mais par contre, il est beaucoup plus chiant en termes de bouffe. Hein. Tu veux savoir le plus drôle? Vas-y, dis-moi. C'était 4. Moi, c'est une phobie, c'est pas forcément volontaire. Bah non, bien sûr. C'est absolument pas volontaire, même. Et je peux pas aller au-dessus pour affronter cette dresseuse. Bah du coup, si Erwan est vegan, il ne boit pas de lait. Effectivement. Ok, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ici ? Ratata. Yes, aïe. Quel plaisir. Je peux avoir sa part. Tu peux. Du coup, t'as Luke, le streamer que je t'ai dit hier ou pas? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps, Loup-Garou, désolé. Je regarderai. Oh non! Falloir aller au centre Pokémon assez rapidement, je pense.
Il y a Abo et Sabelette. Alors, il n'y a pas Sabelette parce qu'il est pas dans cette version. Mais Abo, peut-être, ouais. J'ai besoin de mon litre de lait par jour. Oh la vache! C'est beaucoup, non? Tu dois chier mou, non? Je sais pas s'il n'y a pas des Doduo ici aussi. T'as déjà un poison, donc pas ouf, Abo. Oui, non, mais c'est juste pour la collection, Abo. Hein. C'est juste au cas où il faille que j'attrape beaucoup de Pokémon pendant ce défi. Oui, Roaki boit beaucoup de lait aussi. Hein. C'est que j'aime pas les champignons, les kiwis, les abricots, les pêches, nectarines, etc. J'aime pas le soja. Parce que bien sûr, ça mange du soja en... J'aime pas non plus les poires, le céleri, etc. Oui, j'arrive à manger. Bah, t'aimes pas les fruits en règle générale, j'ai l'impression surtout, non? Non, parce que j'ai fait tellement pire par le passé au point où mon corps est habitué. Il y a aussi le fait que le corps il doit s'habituer parce qu'à la base on n'est pas fait pour boire du lait de vache. On n'est pas fait pour boire du lait animal tout court même. Azuria! Petit coup au centre Pokémon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller voir Léo avant de faire l'arène. J'avais oublié ça. Dis-toi, le pack de 6 litres vers mes 16 ans, ça partait en un jour à moi tout seul. Mais c'est une addiction à ce moment-là. Il est compliqué, le Erwan. Bah ouais. Je crois que du lait végétal meilleur pour la santé, contenant, contrairement au lait d'animaux pas adapté aux humains, c'est vrai. C'est parti pour le glitch de Mew? Ah bah non. Non, non, non. On n'a pas parlé de Mew pour le moment. Je sais plus comment il marche le glitch. Est-ce que le glitch je peux le faire n'importe quand ou pas? On est d'accord que je peux le faire n'importe quand tant que je n'ai pas attaqué un PNJ en particulier. T'as récupéré la carpe? Quelle carpe? Je suis addict maladif. Ça se soigne. Hein. Il y a deux endroits où tu peux faire le glitch. Bah dans le doute, je taperai pas le PNJ en question. Hein. Le fameux croupier à l'avant-ville est ici, ouais, c'est ça. Non, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il est dans les prochains goals, Mew, je ne sais pas. Peut-être. On a essayé, et dans mon cas, c'est mieux de garder un minimum de lait. Ah bon? D'accord. Ah bon? J'espère que je vais pas le one-shot. Nickel. Excellent. Tu as besoin de vol, mais téléport marche aussi, donc une capture d'Abra et c'est faisable. Oui. Non mais c'est vrai que j'ai besoin de vol, donc c'est pas tout de suite. Ou d'un Abra. Mais de toute façon... Je ne capturerai pas Mew si on fait la run de base. Il se déplace en silence pour dévorer des œufs de Roukoul ou de Biafabek. Horrible. Tu veux savoir les levels de Rondine ou pas? Non, je le connais. Je les connais, je crois que c'est 14 et 16, mais... Non, ou 16 et 20. Après, j'ai un Pikachu, donc ça va.